Urgence, urgence, ici unité centrale pour unité 17. On a un cadavre, 24 rue Longchamp. Ouais, si unité 17, là, on a entendu, on y va tout de suite, là, c'est parti, allez, go, go, go. Bon, alors, on disait un menu Big Mac avec frites coca, plus une boîte de 7 chicken McNuggets, c'est ça? Sur place? Non, emporté, emporté. Tiens, jeune recrue. Mets le gyrophare et fais péter la musique. Your eyes open wide as I looked your way. Couldn't hide what I meant to say. Feeling lost. Bonjour messieurs, bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un suicide. Je vous écoute. L'individu se serait donc tiré 3 balles dans la tête avant de se jeter par-dessus le balcon. Il y a quelque chose qui cloche. Jeune recrue? Effectivement, l'individu aurait eu du mal à se jeter par-dessus le balcon après s'être tiré 3 balles dans la tête. Jeune recrue? Effectivement, l'individu a dû trébucher. Classer l'affaire, noter suicide accidentel. Bonjour madame. Vous devez être la femme de la victime, je suppose. Je peux peut-être vous inviter à dîner ce soir pour oublier un peu tout ça. Ah, vous étiez proche de votre mari. Eh bien, si ça peut vous aider à vous réconforter et à vous sentir mieux, je peux vous dire que... Non, rien. Toutes mes convalescences, madame. Tu vois, jeune recrue, là, la vie d'un policier, c'est pas tous les jours rose. Parfois, on se prend un râteau. Et parfois, les journées sont rouges, teintées du sang des victimes. Elle fait péter la musique. Urgence, urgence, ici unité centrale pour unité 17. On a un cambriolage, 12 rue Longchamp. Ouais, ici unité 17, là on a entendu, on y va tout de suite, là c'est parti, allez, go, go, go. Ok les gars, mais méfiez-vous, les individus sont armés et dangereux. Ouais, ici unité 17, là en fait on vient de crever là. Ok les gars, vous avez 5 minutes. Bon, en fait on a crevé les 4 pneus là et puis on passe. J'ai plus de forfait. Jeune recrue, ce soir, il y a piège de cristal, pas de risque inutile. On n'est plus dans un film, là. Là, c'est la vraie vie, là, c'est du danger au quotidien. Moi-même, il y a 5 ans, j'ai pris un coup de couteau. Sous le pied. Bagarre de rue, on les interpelle, on leur fait jeter leurs armes. Et j'ai marché sur un couteau. Je l'ai pas vu venir. Et tu vois, jeune recrue, la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que ton arme de service doit être utilisée en dernier recours, en ultime. Hop, hop, hop! Il est rouge ou il est vert, le petit bonhomme? Alors, on attend pour traverser. Circulez.
Tiens, jeune recrue, tu vois là les collègues qui contrôlent la bande de skins en Boombers? Regarde-moi ces têtes de voyous. Moi, ça me dégoûte. Bouge pas, je vais aller voir ce qui se passe. Non, en fait, c'était des collègues en civil qui contrôlent les agents de l'EDF. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux violer les prostituées? Ah non, mais gratos! Tu veux qu'on se fasse des petits contrôles? Allez, va pour les petits contrôles. Intransigeant sur les petits contrôles, jeune recrue. On a un client. Bonjour mademoiselle, contrôle de police, vous préparez les papiers du véhicule, carte grise, carte verte, permis de conduire, numéro de téléphone. Bon, j'espère que vous avez toutes vos règles, et que vous êtes toutes en règle. Alors on se fait un petit tour de voiture. C'est bien. Vous savez qu'avec des décolletés et des mini-jupes comme ça, vous allez vous faire draguer par le premier connard venu. On n'a pas des petits copains pour se protéger? Je vois. Eh ben le poulet vous dit circuler. Eh ben papier, on vous les renverra par email. Vous circulez. Bonjour monsieur, contrôle de police, je vais préparer les papiers du véhicule, carte grise, carte. Oh, vous circulez, vous circulez. Oh putain, le mec pue à l'alcool. Ouh la vieille, j'aime la faire. Bonjour madame, contrôle de police, je vais préparer les papiers du véhicule, carte grise, carte verte, ainsi que permis de conduire, s'il vous plaît, madame. Non, vous n'avez rien fait, mais on va bien trouver quelque chose. Avez-vous bu, madame? De l'eau. Combien de verres? Deux verres, bon, ça tout de suite. Veuillez faire un souffle continu de 10 secondes dans le ballon, s'il vous plaît, madame. Soufflez bien dans le ballon, s'il vous plaît, madame. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Veuillez sortir du véhicule, les mains et les pieds bien évidents, s'il vous plaît, madame. Hop, hop, hop! Tu poses ta canne, la vieille, tu poses ta canne! Voilà! Maintenant, tu te relèves! Et ça, buc de verre. Très bien, madame, je vais penser à un chiffre entre 1 et 10, et vous allez tenter de le deviner en 3 chances, et je vous écoute. Non. Non. Non plus. Mais donc vous pourrez peut-être un petit... Pardon? C'était 13. Je vais maintenant vous soumettre un petit test d'équilibre. Veuillez vous mettre en face de moi, s'il vous plaît, madame. Parfait, madame. Relax sur les appuis, on détend les mains. Parfait, madame. Là, à se relever. Et enfin, pour finir, un petit test de culture générale. Qui est né en 1930? Je me fous de copine Jeannette, madame. Bon, d'après les tests, vous êtes complètement déchirée. Vous allez donc passer la nuit en garde à vue, on va confisquer le véhicule, la carte grise, la carte verte, la carte bleue, tiens. Putain de vieux délinquant! Allez, fais péter la musique.